Ouais, c'est impressionnant de revenir en arrière comme ça, mais j'avais 18 ans, c'était en 1971. Je sortais du bac, j'étais pas encore en fac d'histoire, j'allais y rentrer en septembre suivant, et puis j'ai fait un remplacement d'été. J'ai fait cet été-là, j'en ai fait 4 autres, après, toujours comme stagiaire ou pigiste, et puis également pendant les 4 ans, j'ai été pigiste de semaine ou de week-end. C'est comme ça que j'ai appris le métier, que j'ai appris aussi le courrier de l'Ouest. Alors, c'était une époque où on sortait tout juste de l'ère d'Albert Blanchoin, que j'ai pas connu puisqu'il est décédé en 68. Mais à l'époque, tout le monde en parlait, il était présent dans tous les esprits, dans l'esprit de nos lecteurs, dans l'esprit des journalistes, qui avaient pour lui à la fois de la crainte et de l'admiration. C'est un homme qui avait un grand front, qui avait un regard très particulier. Il scrutait les gens, un regard intelligent, malicieux. C'était un polémiste. Il avait été député, plutôt de gauche à l'époque. Il était docteur en droit, c'était vraiment une grosse tête. Et il aimait le débat. Et c'était une époque où le journal, oui, animait le débat angevin, on peut le dire comme cela. Il n'a pas volé le boulevard qu'on lui a donné ici. C'était tout à fait normal que son nom soit associé au lieu. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé, donc gamin, on était encore place Saint-Bac, c'était noir, c'était une bâtisse qui n'avait rien. D'un journal au départ, hein. C'était des appartements qui avaient été reboutés les uns aux autres, il y avait des escaliers presque dérobés, il y avait des antichambres. Bon. C'était sombre et ça sentait l'encre, on sentait qu'il y avait de l'encre dans l'atmosphère. Mais on sentait bien que c'était un journal parce qu'il y avait une passerelle métallique qui entourait la grande fosse, pas la fosse aux Lions, mais la fosse de la rotative. Et lorsque la rotative fonctionnait, bah, ça vibrait dans toute la maison. Et il suffisait de se pencher, on voyait le journal se faire en contrebas. Ce qui me frappait surtout à l'époque, côté journaliste, et c'était normal, c'était une organisation ou un manque d'organisation. Chacun écrivait la longueur qu'il voulait, trois feuillets, c'était monnaie courante. On ne se préoccupait pas du tout de la manière dont le lecteur allait découvrir ou lire l'article. On n'en référait à personne. Il n'y avait pas de maquette, bien sûr. C'était le SR, le secrétaire de rédaction, qui le soir se débrouillait au montage, au marbre, avec le typo, un montage à la ficelle, comme on disait à l'époque. Ben, s'il n'y avait pas de place pour l'article, on attendait le lendemain, le surlendemain. Oui, c'était pas organisé, il n'y avait pas de prévision. Ce qui m'étonnait aussi, c'était. L'aspect déjà ancien, je me rappelle que mon chef de rédaction, qui avait d'énormes qualités, malgré tout, mais il écrivait au stylo plume, si tu veux, ses articles. Il y avait des machines à écrire mécaniques à la rédaction d'Angers. On écrivait, on découpait, on collait. Il n'y avait pas de secrétaire pour faire les tâches administratives, comme on a eu à partir des années 75. Les appareils photo, évidemment, c'était que tout était à l'avenant, c'est-à-dire qu'on fonctionnait avec des 6-6, on avait des pellicules noir et blanc, une douzaine de poses, 12 poses, je crois, à me rappeler. Les flashs fonctionnaient avec une ampoule qu'il fallait changer à chaque cliché. Autant dire qu'on mitraillait pas les gens, hein. C'était une autre époque. Voilà. Bon, et puis j'ai vu peu à peu les machines devenir. De mécanique, on est passé à machine électrique, puis à électronique, et puis à partir de 90, mais pas avant, l'informatique se met sur les bureaux de chacun d'entre nous. C'est après notre arrivée ici, et je pense que c'est la technique qui l'a exigé, on a commencé à faire des prévisions. On a commencé aussi à imaginer un journal avec des blancs, avec une présentation plus chiadée. On se préoccupait de faire un joli journal et de faire en sorte que le lecteur y rentre mieux.
ce qui n'était pas du tout dans les préoccupations d'avant. Si c'était valable pour une page culturelle, qui était toujours tenue par le directeur général, qui avait sa page de livres, et c'était une page un peu faite sur mesure pour lui, mais pour le reste, ou bien la page des femmes, effectivement, qui était aussi un peu sur mesure, mais pour le reste, je te le disais, c'était fait à la ficelle. Donc à partir de 73, à partir du passage à l'offset, on a commencé à se préoccuper de cela, faire des prévisions, donner des indications au journaliste pour lui dire quelle longueur, faire des choix, faire une hiérarchie entre les faits de la journée. La rédaction est restée en place un bac quelques mois avant d'aller place du Ralliement et rue Chaussée Saint-Pierre. Je me rappelle d'ailleurs que je faisais quelques permanences de nuit place Saint-Bac et que je ne me menais pas large le soir parce que j'étais le seul dans cette immense bâtisse et que j'avais moitié les jetons. Et ça a changé surtout parce que ça s'est accompagné. Les changements techniques ont imposé une nouvelle façon de penser les articles, une nouvelle façon de les rédiger. Je me rappelle que au tout début de la quadrille Romy, on donnait une quadrille à faire, puis on pouvait en donner 3-4. Si on en donnait 6, on se faisait mal voir ou il fallait le demander avec beaucoup de gentillesse. Bon, c'est des questions aujourd'hui qui se posent plus parce que ça se fait tout seul. Et donc, de ce point de vue-là, on a évidemment gagné. De même qu'on a gagné en souplesse d'utilisation. Tu rentres de ton reportage, tu le tapes déjà, tu sais déjà la place qu'il va prendre dans le journal, à 90%. Tu peux déjà imaginer comment ton titre va courir sur la page. Ça, c'est des progrès sûrement. Les 43 années que j'aurais passé dans les couloirs du journal m'ont pas paru longues du tout parce que j'ai eu la chance de beaucoup bouger de poste. J'en ai fait 7, je crois, au cours de ces années-là. Donc, j'ai commencé par la locale à Angers, puis j'ai été rapidement chef de rédaction à Saumur. Puis je suis revenu ici, je me suis occupé des correspondants, puis j'étais secrétaire général, je suis reparti en local d'Angers à ma demande. Puis j'étais directeur départemental, et puis enfin maintenant, là, je m'occupe de l'ADER pour des portraits, des interviews. Donc j'ai le sentiment d'avoir été privilégié dans l'exercice de mon métier. Privilégié parce que j'ai eu un travail très intéressant constamment, et puis parce que j'ai eu des choses très variées. Je pense forcément à toutes les périodes électorales, parce que c'était à chaque fois une mobilisation énorme. J'ai souvenir d'une... Qu'est-ce que c'était, une élection municipale, je pense, où j'ai terminé à 4 ou 5 heures du matin, parce que le journal était imprimé déjà depuis un petit moment, mais il fallait continuer à récolter ou à réunir des résultats qui allaient resservir encore le lendemain. Bon, j'ai eu la chance, mais surtout ces dernières années, de rencontrer des gens un peu connus. Mais dans ma vie de local ou de départemental, j'ai rencontré des gens très simples, très modestes, dont je garde des grands souvenirs. Je pense à une vieille dame de Belbeil. Je suis allé rencontrer, elle avait 80 ans passés, qui m'a parlé de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens du président des anciennes 14-18 qu'on m'avait chargé d'aller voir alors que j'avais moi-même 18 ou 19 ans. Il m'avait recommandé d'être très délicat avec lui, parce que pas l'effrayer par mes questions, parce que c'était un vieux monsieur. Bon, aujourd'hui ça fait sourire. Je ne sais pas si on donnerait le même genre de conseil à un jeune confrère. J'ai rencontré des gens modestes, mais qui ont souvent m'ont souvent fait une grande impression. Oui, c'est vrai que j'ai connu une génération qui était arrivée en même temps que la création du journal, ou bien qui avait démarré au tout début des années 50. C'est des gens qui me paraissaient très âgés. Ils avaient moins de 60 ans. J'ai plus de 60 ans moi aujourd'hui, donc ils étaient certainement très âgés ou très jeunes, je ne sais pas. C'était des gens sérieux, très appliqués. C'était pas
une atmosphère spécialement rigolote. J'ai pas le souvenir de grands éclats de rire à la rédaction. J'ai rencontré des fortes personnalités parmi ses confrères. Naturellement, Joseph Fumet, qui avait été un peu le chouchou, je crois, de Blanchoing, qui se montrait exigeant en même temps avec lui. Oui, qui était un type brillant, très super cultivé, d'une très grande gentillesse, très artiste. Voilà un gars qui m'a marqué, d'autant plus que c'est lui qui m'a accueilli. Le premier été où je suis arrivé, le premier jour, c'est lui qui m'a accueilli. Il y a d'autres journalistes, naturellement tous mes rédacteurs en chef, j'en ai connu six à aujourd'hui, et puis d'autres qui n'ont pas été rédacteurs en chef, mais qui ont pu avoir des postes de responsabilité quand même. Et il y en a un qui a vraiment marqué le journal parce qu'il a changé la présentation, c'est Philippe Picard. Mais il a joué vraiment un grand rôle dans le changement de rythme, dans le changement de présentation du journal. On le voit beaucoup, et à l'époque, ils n'étaient pas nombreux de ce calibre-là à penser à l'avenir du journal. Donc oui. C'est celui qui a commencé à imaginer une maquette pour le Corée de l'Ouest, pour les pages, pour les unes, parce que les unes se faisaient au petit bonheur la chance hein, jusque-là, et qui a inventé les maquettes pour les pages départementales, locales. Il faudra faire un titre de 5 colonnes, là on peut imaginer une rubrique avec un 2 colonnes, il faudra imaginer en pied des réunir les brèves. Ça n'existait pas avant, on prenait comme ça venait, sans doute beaucoup moins attaché au terroir, parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément enjoints ou qui n'habitent pas sur place. Ça, c'est une chose qui était inconcevable il y a 30 ou 40 ans, mais qui amène autre chose qui est très en prise naturellement sur notre société, sur le quotidien des années 2015. Et c'est une chose que j'ai vue aussi, ça. L'introduction progressive des thèmes de société dans le journal. Ça date des années 70 également, ça. On était sans doute dirigé par des hommes de culture, avant tout. Je pense par exemple au chef de la rédaction de Local d'Angers, c'était un homme de livres, un bibliophile, oui, vraiment un homme de culture, et qui n'avait pas forcément les réflexes qu'on attend d'un journaliste, encore moins aujourd'hui, évidemment. Je pense qu'on a gagné de ce point de vue-là. Rapidité, alors peut-être trop rapide aujourd'hui, mais en même temps d'être contraint à la rapidité, c'est quelque chose qui encourage et qui donne beaucoup de dynamisme finalement à la façon d'exercer le métier, et ça c'est une bonne chose. En 40 ans, j'ai pas vu le temps passer, moi j'ai pris de la bouteille, hein. Sans être impatient, c'est évident que je pense plutôt à la fin de mon parcours. Mais en même temps, je suis ravi parce que j'ai le sentiment d'avoir vu le journal rajeunir.